Salut à vous tous, bienvenue dans le journal La Bande Dessinée. C'est un numéro spécial en hommage à notre ami Raoul Cauvin, qui est décédé le 19 août à l'âge de 82 ans. J'ai eu la chance de le côtoyer dans différents festivals de bande dessinée, aussi bien pour faire des interviews, pour discuter avec lui. Et en fait, c'était chaque fois la fête et c'était chaque fois une superbe rencontre avec Raoul. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer à Tramelabulle avec tous ses copains dessinateurs parce que Raoul avait vraiment une grande famille dans le milieu de la bande dessinée. Quand je parle de famille, je pense bien sûr à Cox, à Bédu, à Jean-Paul, à Berkovitsi, à Peral, à tous ses copains dessinateurs qui l'ont toujours entouré. Et là, c'est un hommage dans ce journal de la bande dessinée où j'ai sélectionné en fait des bouts d'interviews que j'ai réalisés depuis plus de 10 ans, donc aussi bien avec Lambille, Cox, Bédu, Jean-Paul et Berkovitsi. Et à la fin de l'émission, nous allons le retrouver dans un interview, mais radiophonique cette fois, avec Lodec, où ils vont nous parler en fait de leur rencontre et de Cédric. Bonjour Monsieur Lambille. Bonjour. Alors 50 albums des Tuniques Bleues, comment êtes-vous rentré dans la bande dessinée? Vous êtes avec Monsieur Cauvin, comment ça s'est passé? Je suis rentré plutôt par la petite porte. J'ai galéré pendant une dizaine d'années, jusqu'au moment où j'ai rencontré Cauvin. Mais j'ai rencontré Cauvin, on n'a pas travaillé ensemble tout de suite. On a travaillé sur les Tuniques Bleues. Malheureusement, à la suite d'un événement malheureux, je veux dire, la mort de Salverius, il fallait quelqu'un pour reprendre la série, parce qu'elle était en cours. Il y a un album qui était en cours de fabrication. Et quand il est mort, eh bien on m'a demandé d'achever l'album et puis de continuer après. C'est venu comme ça. Mais il n'y a vraiment pas d'événement marquant. C'est un truc qui s'est fait sur 34 ans, bien, bien calmement. Et puis ça s'est vendu assez bien. Au départ, bon, c'était pas tout à fait évident. On peut vraiment dire maintenant que Eclipse Bleue, c'est une série culte. Passant une des toutes grandes séries de chez Dupuis. Comment se passe une journée chez vous? Vous dessinez toute la journée, comment ça se passe? On fabrique des personnages, on les fait vivre, mais tout ça se fait dans une atmosphère feutrée, et au crayon d'abord, à l'encre ensuite, en suivant le scénario de Cauvin. En fait, Cauvin fait le scénario, vous l'amène, ou bien d'un coup vous avez une idée et puis dites j'aimerais bien faire ça dans l'histoire, ou bien c'est lui qui décide tout du scénario? On est tout à fait indépendant, tout en collaborant. Il cherche des idées de scénario, il fait un découpage avec des petits dessins et les textes qui sont déjà préparés, donc les dialogues. Et puis il m'envoie tout ça quand c'est terminé, et moi je dessine, mais c'est tout, ça se limite à ça. Cox, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te croiser à Tramelan. Oui, c'est réciproque. Et tout le monde te connaît pour ton personnage, l'agent 212. Ouais. Comment est né ce personnage? L'agent, il est né en 74. C'est Cauvin qui m'a fait un scénario avec un agent de police. Et je devais faire 2-3 gags à l'époque de ce personnage. Et finalement, il y a eu une demande dans le journal, les lecteurs en redemandaient, donc et j'ai continué sur le sujet. Mais j'aurais jamais imaginé, parce que ça fait 42 ans, au mois d'octobre, ça fait 42 ans que je le dessine, j'aurais jamais imaginé durer aussi longtemps qu'un flic. Mais en même temps, c'est vrai que ça a toujours tout de suite été le triomphe dans le journal d'Aspion. C'est vrai que c'est impressionnant, parce que ça a tout de suite fait partie des grandes séries. Mais ça a démarré très vite, mais c'est au niveau lecteur, par contre, au niveau album, chez Dupuis, ils ne voulaient pas faire d'album. C'est pour ça que j'ai attendu 5 ans avant d'avoir un album, parce qu'ils jugeaient que ce personnage, l'agent de police, ne marcherait pas en album. Et donc, ils ont fait un référendum en 80, et j'étais 5e au référendum. Là, il y a Gaston Lagaffe, Boulibi, Yocassiono et Tunique Bleue, et l'agent. Donc, ils ont dit, bon, on va faire un album, on devra le solder en 6 mois, mais on aura au moins fait un album. Ils ont fait l'album, il était épuisé en 3 mois. Et la belle histoire a commencé, et voilà, ça fait 42 ans. Et ça tient toujours, et j'ai toujours beaucoup de monde, et ça fait plaisir. Est-ce que la police te lit beaucoup? Oui, je rencontre souvent des policiers. Bon, c'est pas... Je vais pas dire que je rencontre 50 à chaque séance de dédicace, mais j'en rencontre régulièrement.
et qui aime bien, parce qu'en fait, on dit toujours, on se moque pas de la police, c'est plutôt le garçon la gaffe de la police. Ouais. Donc voilà, c'est pas une série faite pour se venger de la police. Non, c'est très sympa, justement. Oui, non, c'est ça qu'on voulait faire, et voilà, progressivement, bon, je me suis investi dans les scénarios pour le dernier, ouais, avec la permission de Couvin, enfin, le dernier, quelques albums déjà depuis le 25, et donc je m'amuse un peu. Je m'amuse plus parce que je fais des choses que j'ai vraiment envie de faire. Bédu, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te voir ici, en Suisse. Mais moi, c'est un plaisir de venir en Suisse. Oui. Parce que le public est gentil, calme, tranquille. Et puis, bon, ça me sort de mon atelier aussi, de ma solitude. Et cette année, 25 ans de la série Les Psys. Qu'est-ce que ça représente pour toi, 25 ans d'album? C'est un parcours assez prodigieux, je dirais, parce que j'ai eu l'honneur de travailler avec Raoul Covin comme scénariste. Oui. Donc c'est quelqu'un avec qui travailler est un plaisir. Et la série était très agréable à dessiner, très drôle, c'est beaucoup de plaisir dans le dessin. Ça fait 22 albums, hein, c'est quand même 22, beaucoup. Oui, hein. oui. Et quels sont les plus beaux souvenirs avec la série, avec Raoul? Il y a une anecdote. Il y en a quelques-unes, mais comme ça, pour le pourpoint, c'est un peu difficile de trouver les. Mais c'est surtout des souvenirs de dédicaces où on était en groupe, parce qu'on fait un certain groupe avec les auteurs de Raoul Covin, et on s'entend bien, donc on a eu l'occasion, comme ça, quelquefois, ici notamment à Genève, au Salon du Livre, de venir en groupe. Ouais. Et ça, c'est un plaisir, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve. La bande des copains. Oui, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se revoir, on travaille chacun chez soi. On se téléphone, mais se voir, c'est l'occasion, Salon du Livre. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Donc, travailler 22 albums en 25 ans, c'est beaucoup de travail. C'est régulier, c'est, ouais. Oui, c'est obligé, oui, c'est obligé. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très bien organisé. Mais bon, le dessin, moi, c'est un plaisir. Donc, dès que j'ai pris mon petit déjeuner, hop, je vais dans mon atelier et je me mets au travail. Et c'est vrai que dans le dernier album, ce qui est génial, c'est que l'eau stress de l'air, où on voit justement le complètement dans le stress d'Hôtel de l'air. Oui. Et on te retrouve caché avec Couvin. J'adorais ça parce que j'adore chercher dans les cases, on vous voit en train d'attacher vos. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, c'est un petit clin d'œil parce que comme c'est le dernier de la série, oui. L'occasion s'est présentée. Voilà. Y a on est à l'intérieur d'un avion et je me suis dit, pourquoi pas nous mettre l'un à côté de l'autre. Dernier voyage, dernier vol en avion. Et comment ça se fait? C'est Raoul qui a dit, j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de prendre ma retraite. C'est comme ça que la série ça s'arrête? C'est un ensemble de décisions. C'est une décision au départ quand même éditoriale. Ouais. L'éditeur, je pense qu'il aime bien de relancer de nouvelles choses. Et nous, oui, on a peut-être le sentiment de commencer un peu à je dirais pas tourner en rond, mais à se répéter un peu. Et comme en plus Raoul, il a fait un boulot extraordinaire, mais il fatigue aussi petit à petit. Ouais. Dans l'ensemble de choses qui nous ont amené à dire, on va s'arrêter là. C'est vrai que Raoul, c'est un génie de la bande dessinée. C'est unique, unique. Des milliers, en fait, oui. D'écrits. Oui. Comment est-ce que vous êtes rencontré, en fait? Comment vous avez eu l'idée de créer la série Le Psy? Mais en fait, moi, souvent, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais aux éditions du Lombard? Parce que le Lombard, il y a eu beaucoup plus à l'époque de dessins réalistes. Oui. Et Dupuis, c'était plus le dessin humoristique. Donc souvent, on me disait, pourquoi tu ne vas pas chez Dupuis, dans le journal de Spirou? Et puis, à un moment, l'occasion s'est présentée. J'ai rencontré le directeur d'édition de l'époque, Philippe Vanderen, et c'est lui qui m'a amené dans l'équipe Dupuis et qui m'a fait rencontrer Raoul Covin. Et au départ, Raoul a tout de suite dit oui. Donc ça c'était bien. Il était parti sur une toute autre idée. Ça n'a pas fonctionné dans sa tête. Finalement, il ne trouvait pas le moyen de le développer. C'était une série avec des avocats. Et il a changé complètement. Moi, j'ai déjà fait des croquis pour. Il m'a dit non, on va changer. Je n'arrive pas à trouver une filière. Ils vont faire les psys. Ah.
Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te croiser ici à Tremblant. Ah oui, je suis venu déjà plusieurs fois à Tremblant, mais quand même, maintenant, il y a quand même un petit espace de quelques années. Mais je suis très content d'être de nouveau ici, de retrouver les copains, les amis. Hein, ce sont devenus des amis. Et puis le public est sympa et tout. Et l'environ aussi. C'est super. Non, je ne regrette pas. L'année prochaine, je serai là encore. Ah bah, avec un grand plaisir. Il y a beaucoup de chance. Oui. Et c'est vrai que vous venez chaque fois, ben, les trois copains, c'est-à-dire avec Cox, Bédu, c'est un peu comme la grande famille. Oui, absolument, ce sont des amis. Hein. Daniel et puis Bédu, je l'ai connu quand il était encore étudiant. Justement, Bédu m'a beaucoup parlé de toi, justement, il dit que c'est toi qui l'as beaucoup aidé dans la bande dessinée. Oui, il habitait le même quartier que moi, Leuven, ouais. En Leuven, pas Leuven en Neuf, mais Leuven. Et je l'ai bien connu jusque maintenant. Et on n'a jamais fait un mot à travers, quoi. Oui. C'est sympa, c'est beaucoup de respect entre collègues, naturellement. Justement, on te connaît maintenant avec la série Samy. Et comment s'est passé? C'est-à-dire que Covin, je pense que tu devais le connaître, c'est lui qui t'a proposé de reprendre la série. Oui, Covin, je le connaissais déjà depuis le festival en Flandre. Oui. Et il était là aussi. On avait une certaine connaissance ensemble, mais pas encore... Mais on s'est parlé, on a bu un petit verre, tout ça. Et c'est comme ça que Raoul a proposé, tu dis, tiens Jean-Paul, c'est le meilleur pour reprendre la série de Samy. Et moi, en plus, ça me tombait. C'était un petit miracle pour dire, tiens, moi, j'avais l'avenir, c'était Dupuis. Oui. Je voulais aller chez Dupuis. Publié n'importe comment, mais chez Dupuis. Tout d'un coup, c'est une reprise de Samy que j'ai acheté les albums. J'étais fan de Samy. Ouais. Et la période, les tacos, le tac-tac, je suis un homme de rythme, d'action man, comme on dit. Ouais. J'aime bien ça dans mes dessins. Puis avec un scénario de Raoul Covin, en plus, et chez Dupuis. Mais c'est vrai que c'est une superbe série. Hein. Oui, je l'ai fait avec grand plaisir et avec grand regret maintenant que j'ai voulu arrêter la série maintenant, Samy, parce que je suis retraité, j'ai 73 ans. Mais 73 bien, en fait, ans, oui, c'est ça. En fait, on n'a pas d'âge, hein, bande dessinée. Non, mais du fait que j'ai fait le quotidien en Flandre, publication dans les journaux, tous les jours, une demi-planche. Ouais. J'ai fait ça pendant 12 ans. Ouais. Et ça m'a vidé quand même pas d'accord. mal. C'était trois albums et demi par ouais. an. C'était c'est beaucoup. Ouais. Plus l'illustration et encore une autre série que j'avais en main. Donc c'était bossé jour et nuit, presque le week-end et tout ce que tu veux. Donc ça m'a cogné un peu et puis je dis tiens, oui, 50 ans de métier, à 70 ans, j'arrête. Et j'ai pris la décision, j'ai dit puis, j'ai dit tiens oui, ça va plus. J'ai mis trop longtemps sur le dernier boy, le 40e, aussi oui. un bon chiffre pour arriver. Oui. Philippe Bercovici, bonjour. Bonjour. Et cette année, c'est en même temps, c'est une année un peu spéciale, c'est le 40e tome des Femmes en Blanc. Qu'est-ce que ça représente, 40 tomes? Eh ben, ça représente une somme de travail incroyable et plein de souvenirs et plein de travail avec le journal Spirou d'abord, avec qui j'ai commencé et avec qui je continue encore aujourd'hui. Plein de pages de fêtes, d'animations autour des Femmes en Blanc, autour d'autres séries que j'ai pu faire. Et donc c'est comme un énorme morceau de ma vie, quoi, en fait. Et voilà, le 40e, c'est un peu comme un bilan qu'on tire et puis... On a pu avoir une belle jaquette et une présentation un peu différente pour celui-là. Oui, c'est génial parce qu'il y a carrément le poster oui, voilà. collector quoi, avec l'album, c'est génial. Eh oui, ça donne un petit côté un peu cadeau, un peu luxueux pour l'album qui est au même prix que les autres, mais ça lui donne un petit cachet supplémentaire. Donc ça, et la rencontre, si je ne me trompe pas, avec Covin, c'est fait autour de l'album Le Grand Amour Contrarié, c'est oui. ça Oui, c'était notre première collaboration. J'avais fait un gag avec La Belle au Bois Dormant, je crois, et puis il avait vu, il trouvait que la chute n'était pas très bien, il l'avait changé, et donc on a commencé à travailler comme ça, en fait. Après, il m'a envoyé des histoires, et on
a commencé à faire des missions comme ça. C'était une époque où il lançait énormément de projets. Et ça a commencé comme ça. Moi, j'avais près de 14 ans. C'était vraiment mes tout premières bandes dessinées, des grands amours contrariés. Bah, c'était super. Ouais. C'était marrant. Et puis, on se permettait des choses. Pour trouver Adam et Ève, justement. Limite, on parlait de religion, on avait quelques lettres de protestation, parce que c'était encore une époque où Spirou était un journal assez sage. Il y a même une histoire qui n'a pas été reprise en album, parce qu'on a préféré ne pas la reprendre, on avait reçu pas mal de lettres. C'était assez marrant. Hommage maintenant à un grand homme de la bande dessinée, Raoul Cauvin, le père de la saga à succès. Les Tuniques Bleues nous a quittés hier à l'âge de 82 ans. Artisan d'un 9e art populaire mais de qualité, il a marqué de nombreuses générations de lecteurs. Fanny Turcher. Il a traversé le 9e art de tout son talent. Raoul Cauvin, scénariste de génie, voit sa carrière décoller en 68 avec la création des Tuniques Bleues, une bande dessinée humoristique sur fond de guerre de sécession qui devient l'un des plus grands succès commerciaux des éditions Dupuis. Quand je commence un Tunique Bleu, il me faut au moins 3 ou 4 mois avant d'avoir l'histoire écrite. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'un scénario, on se lève le matin, on fait 5 planches, bah ouais, c'est du travail quand même. Mais le travail n'effrayera pas Raoul Cauvin, scénariste parmi les plus prolifiques de notre époque. Les Psys, Cédric, Pierre Tombal, Les Femmes en Blanc ou L'Agent 212, nous avons tous eu entre nos mains au moins l'un de ses albums. Un comique tout public que le Belge revendiquait volontiers lors de la fête de la bande dessinée de Tavannes en 1996. Dans les grands festivals, voyez-vous, ce sont tous des pros qui viennent, ce sont tous des collectionneurs de BD, 9 fois sur 10. Ici, ce sont des gens, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui viennent, ils apprennent qu'un dessinateur est là, ils viennent le voir, c'est plus convivial, c'est plus gentil. Là. Surnommés les papis de la BD, Raoul Cauvin et son complice de toujours, le dessinateur Lambille, avaient terminé le 64e tome des Tuniques Bleues en mai dernier, un ultime cadeau pour les millions de lecteurs aujourd'hui orphelins. Le dernier interview que je vous présente, il a été réalisé pour la radio RNV, pour l'émission Pâle dégomme la bande dessinée du côté du Salon du Livre de Genève en 2014 avec Laudec et Cauvin, et c'était pour l'album de Cédric. Monsieur Laudec, Monsieur Cauvin, bonjour. 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 C'est en fait un immense honneur, une grande chance de vous avoir en Suisse. Oui, ça vous avez de la chance, effectivement, hein, on est bien tous les deux. Parce que c'est un pays magnifique. Et la grande sortie de Cédric, 28e album déjà. Déjà 28, le premier est sorti en 89, donc ça fait à peu près 25 ans. Donc c'est quand même impressionnant, ça fait 25 ans que vous travaillez ensemble. Oui, tout à fait, et ça marche toujours aussi bien, le scénariste est toujours aussi prolifique, donc quoi rêver de mieux. Et si je ne me trompe pas, le début s'est pas passé aussi bien que ça, votre rencontre entre vous deux? Bon, disons que ce qui ne s'est pas bien passé, c'est ma première rencontre avec lui. C'est-à-dire que j'avais été le trouver chez l'éditeur et je lui avais montré des dessins que j'avais faits et je lui ai proposé de travailler avec moi. Vous voyez, j'étais quand même modeste. Hein. Oui. Et alors, il me dit, bon, ben, je vais te fournir un scénario, mais si ce n'est pas bien, je te le dirai. Et en effet, quelques temps après, je recevais une lettre où on me disait que c'était très mauvais, les dessins étaient raides, qu'il avait l'impression que j'avais travaillé avec une mitraillette dans le dos. Ah oui. Et donc, à l'époque, ça s'est terminé là. Il n'y a que quelques années plus tard que de nouveau, l'ancien rédacteur du journal de Spirou nous a remis en rapport. Donc Raoul avait beaucoup de remords et s'est dit, ben, faut vraiment que je fasse quelque chose avec. Bah, moi je suis un peu gêné quand il raconte ça, c'est un vieux truc. Le pire c'est que ce salopard a gardé la lettre pendant tout un moment. Ah, oui. Et qu'il me la retape de temps en temps, ça m'énerve. Voilà. Oui. Donc en fait un jour il y aura un spécial Cédric, il y aura la... ça sera comme une préface. On mettra la lettre en préface. Moi je crois qu'il l'a toujours, il s'en débarrassera jamais, il mourra avec. Hein. Mais c'est gênant parce que c'est vrai qu'avec le recul on a l'air malin. Quoi. Enfin moi. J'ai l'air malin, quoi. Ouais. Disons qu'avec un bon avocat, je pense quand même en retirer pas mal d'argent. Ah oui, en plus avec la signature, ça fait quelque chose. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que 25 ans d'amitié entre vous deux, c'est-à-dire, pour moi, quand je vois Cédric, pour moi, c'est le petit Nicolas de maintenant, c'est-à-dire qu'on le voit évoluer aussi avec ses amis, avec sa famille, c'est un peu ça.
Oui, c'est-à-dire on ne peut pas comparer Cédric au petit Nicolas, parce qu'il faut bien se dire qu'à un moment donné, il y avait André Ben qui faisait le petit Jojo, le petit Spirou, le petit Nicolas, bref. Et nous, il fallait faire même Zep aussi. Et on a réussi à faire un truc bien précis, bien une atmosphère à nous qu'on ne lâche pas. Je dois préciser que le petit œuf et le petit Spirou sont parus après Cédric, oui, en fait. Oui. Oui. Parce que c'est vrai que vous étiez quand même en avance par rapport à ça, aussi bien par rapport à la tolérance, parce qu'il y a une bonne leçon de tolérance, je trouve, aussi contre le racisme par rapport à Cédric. Oui, tout à fait. En fait, c'était un créneau quand on s'est présenté, quand j'ai présenté avec lui Cédric. C'était un créneau, on nous disait, bon ben on ne va pas pouvoir aller loin avec ça parce qu'il y a déjà Boulay Bill, il y avait le petit Nicolas. Donc on m'avait dit, bon ben on va pouvoir faire 2-3 albums maximum avec ce thème-là. Et maintenant on est déjà au 28e et bientôt le 29e, si tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a une belle histoire d'amour aussi avec Chêne et Cédric. C'est vrai que comment vous avez eu l'idée en fait de rassembler cet univers-là, ça ? Ah ben, il faut demander au scénariste, c'est lui qui a eu l'idée de cet amour entre Cédric et cette petite chinoise. Et à partir du moment où il y a un garçon, il faut une fille à côté. Je crois que c'est nécessaire. Il ne faut pas créer que des gosses, il faut créer des filles et des petits garçons. Et je trouve ça. Moi j'aime bien, quoi. Je crois même que c'est capital qui est toujours. Enfin, un couple, je veux dire. Même dans les grands, je veux dire, dans les petits, ça doit être pareil. Et c'est même plus mignon. Quand je vois le petit Spirou, il y a aussi le ou la professeure. Je sais pas, on met toujours un petit penchant sur le côté. C'est poétique. Et pour vous deux, c'est qui Cédric ? C'est un enfant que vous avez, vu que vous vivez quand même ensemble, c'est pour vous ? Quand on a parlé de la série, je lui avais parlé d'une institutrice, d'une école. Il m'avait demandé de lui apporter des croquis. Et dans tous les croquis que j'avais amenés, lui, il a flashé sur ce petit garçon-là. Il s'est dit qu'en dehors de l'école, c'était beaucoup mieux parce qu'on pouvait raconter beaucoup plus d'histoires que dans un milieu fermé comme l'école. C'était naturellement très bien de penser à ça parce que finalement, dans la famille, on a pu mettre le grand-père. Maintenant, on a pu ajouter d'autres personnages. Et le papy, c'est un peu Raoul ? Ben, pas un peu. Pour moi, en tout cas, quand je le dessine, c'est lui. Alors que lui, pour lui, le grand-père, c'est son grand-père, je pense. Le caractère, c'était mon grand-père. Ouais. C'était le cœur d'or. Gentil, mais il détestait perdre et trouvait tous les chanteurs de l'époque cons. Enfin bref, c'était. Et j'emporte ça sur le grand-père. C'est tout à fait mon père de son vivant à l'époque. Quoi. Moi, je me souviens, dans les dessins animés, si j'avais pu choisir, j'en aurais refusé beaucoup. Et c'est pour ça que l'éditrice Laurence et lui lisaient les scénarios. Moi, j'aurais été très sévère, c'est pas les miens. Et il y a des fois, je râlais, je dis merde. Et quand je vois parfois les petits films, ah oui, j'aurais pas fait ça, mais bon, il fallait que ça avance, il fallait que ça aille vite, et eux prenaient la décision, pas moi. Et autre question par rapport à ton univers qui est très prolifique, toi tu as écrit plus de millions de scénarios. Non, pas par rapport à toutes tes séries, c'est vrai que c'est impressionnant. Tu sais à peu près combien de scénarios tu as écrit ? Parce que tu as quand même eu en tout, ça va être intéressant. Beaucoup. Beaucoup. Mais c'est vrai que. On voit Cédric bientôt en film, on pourrait imaginer Tunique Bleue, on pourrait imaginer. Il n'y a pas du tout. C'est-à-dire. Non. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire autre chose que Cédric en film. Oui, je pensais aussi justement. Non, déjà qu'un film comme Cédric, où j'allais dire, on va reparler du petit Nicolas ou des autres et tout ça, le budget est énorme. Alors les Tuniques Bleues. Oui, justement, je pense à ça. Oui. Ce serait énorme. Je ne demanderai pas mieux, hein, mais. Non, c'est un rêve. Ben, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Merci. Merci beaucoup.